Bonjour à toutes et tous. Après la demande d'une amie correspondante de YouTube, je vais essayer de vous donner quelques explications en ce qui concerne la modification d'un MIDI file. Alors on va choisir Plaisir d'amour, que j'ai trouvé certainement sur Internet. Nous allons regarder la version qui nous est proposé. Alors nous avons vu que sur la page de 1 à 8, nous avons trois pistes qui jouent. Et sur la page 9 à 16, il n'y a rien qui joue. Bon, ceci étant dit, on va aller maintenant pour le modifier sur la fonction Song Creator. Et on a besoin, en fait, que parmi tous ces tableaux que l'on peut choisir, on a besoin que de ce tableau, à la fin, pour sauver appli, et de ce tableau channel pour faire des modifications. Alors, nous allons remettre la mixing console, et nous allons par exemple choisir d'autres pianos, parce que voyez-vous, là c'est un piano ordinaire. On va choisir par exemple un piano de concert ici, sur la lune, et un autre piano de concert, mais en général il faut en choisir un autre, sur la 2. Bon, nous avons vu que sur la 3, nous avions une brasse. Alors, on va choisir par exemple une brasse un peu mieux que celle qui est. Et nous pouvons déjà écouter ce que ça donne. Bon, ceci dit, on peut jouer sur les effets. Alors là, on peut augmenter un petit peu la réverb des trois premières, mais on peut aussi augmenter la réverb générale. Qui automatiquement donne beaucoup plus d'ampleur à la musique. Alors nous allons déjà sauvegarder ce que nous avons fait. Alors on va revenir sur Setup, Appli, et on va sauver. Voilà, on va changer le nom. Alors Plaisir. 2, et nous allons rester là. Alors nous allons partir sur la mixine et nous allons copier la piste 3 sur la piste 8 par exemple. Alors on sort de la mixing console et on se retrouve sur la possibilité de mixer, de copier les pistes. Alors, par exemple, nous étions sur la 3, nous voulions copier la 3, et nous voulons donc la copier, alors on va tout en bas jusqu'à copie, et jusqu'à la 6, par exemple, on avait dit, non, la 8, on avait dit. Alors, on fait exécute, terminé, nous repartons mixing, alors là, nous avons évidemment le même son. Et si nous voulons le changer, eh bien évidemment, par exemple, nous allons mettre le bel super articulation et voix humaine. Et on va régler un petit peu le volume, pas trop de brasse. Les effets, on va augmenter un tout petit peu la 3 et la 8. Voilà.
petit peu aussi les pianos. Voilà, j'aime bien quand il y a pas mal de reverb. Alors, on va écouter ce que ça donne. Sur le Taïros, le 4, moi j'ai le 4, et parfois bon, ben, j'utilise ce procédé pour modifier des midi files à mon goût. Merci.